Hello, bonjour, bonsoir. Je retourne pour une autre vidéo. Comme nous déjà, ouais. Dès que ça m'a parlé dans la vidéo, avant même que je rentre dans la vidéo, je prends un petit temps pour me dire un grand merci avec tout ancien et nouveau abonné ou même qui passe sous télémagazine qui poko abonné. Ma pépite ou s'il vous plaît, abonnez et pas oublier, activez la cloche là à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour capable recevoir notification nous en premier. N'abandonne pas dans la vidéo sans perdre du temps. Et derrière, il dit, ah, mon cher, ou mon fanatique. Je dis, qui fanatique ça? Il dit, mon cher, mon film là, ça fait quelques temps, je suis boum ensemble avec lui. Et puis, je cherche un acteur. Puis, bon, évidemment, il dit, j'ai besoin d'un bel petit garçon. Et puis, il oh. dit, je vais faire quasi et puis, il dit, on va prendre un bel petit garçon dans Télémax là. Excusez-moi, je n'ai jamais voulu te dire, ne vous permettez, hein, quand même. Il y a des histoires, on doit s'arrêter et traiter le sujet. Qui a besoin de bel petit garçon? Mais demande à Blondie. Bon, ni belle ni à l'époque, non, non, à l'époque, il était bel petit garçon. Vous comprenez, ça fait un choix de lit. Parce que je regarde la télé, Max, un bel petit garçon, chocolat. Il peut pas avoir 20 têtes, il peut pas avoir cheveux. C'est parce que tu étais jeune. Non, tu n'avais pas vu beaucoup. Non, il n'est pas mal, non? Et pas moi, il n'est pas mal. Bah, c'est sérieux, pendant qu'il n'est pas mal. Ça n'a pas gardé la cunia, il n'est pas de saleté. Bon, anyway, je remets le micro. Eh bien, nous allons prêter sur ça trop pour continuer, yeah, pour ne pas faire zin. Nous avons Karel Abtoune et Nabritani. Yes. So, je dis nous merci encore une fois et nous allons pas remettre ça qui est fait là. Papa nous merci parce que Kaslan, son bagage important et belle bagage qui fait là. Nous allons regretter tout le monde qui habituellement dit ça qui fait avec les couleurs de la dignité. Pour que nous avons les vraies couleurs de la dignité qui peuvent répondre à toutes les questions. Ça seulement nous besoin de brancher et puis nous allons parler. Jeff. Bon, premièrement, je dis bonsoir à tout le monde qui fait déplacement hier soir. Pour venir ici, pour venir là. Je dis merci à tout. Non, je m'en réserve, vous oui, bon, à soi. Pas un problème, non, mami. All right, keep rushing. All right. Non, Kael, il faut lui laisser parler, là. Non, on n'est pas capable. Il ne faut pas quitter m'balé. Non, Kael, non. Ça, on ne va pas comprendre que nous avons dit que nous avons commencé un Kael a bien des interventions anticipées. Mes amis, quelle histoire! Et jusqu'à présent, il faut que nous acceptions parce que son monde, c'est comme ça qu'il y est. Et puis. Gaël, bon, fini. Et nous connaissons comment nous posons. Bon, encore une fois, ma petite, merci pour le déplacement avec les médias. Non pas M. Jeff Moïse. Il y a quelques monde qui savent que je suis déjà. Moi, je joue là, sans prendre sauf. Moi, avec Jean-Alex Wallman. Et puis, lien de ça avec Jean-René Lebain. Et puis, le réalisateur, simplement le tout dernier film de Paul-Henri Attis, que je joue avec lui, tout ça. Et à ce moment-là, avec Kassa, Jacques Nukawa, nous sommes très solide. Et il me souhaitait que nous prêts, parce que nous allons séquer bagailles, va le changer. C'est un plaisir pour moi là, que moi t'es avec Paul-Henri, que nous parlions de projet. Comme des dit ça. Couleur de la dignité, quand on fait non déjà, nous connaissons bon produit que lien. Et deuxième dans lien, blab encore, puis bon, encore. Et ensuite, on a fait place avec troisième. Non? So, tout le monde, chita bien, et puis, pour nous jouer. Ça capte bien. Je voudrais ajouter une chose aussi que je viens de découvrir, ma vie, pour l'année. Cassant tellement tant de bien, que même si vous n'avez pas comme, vous n'avez pas rien, film n'a fait. Nous tellement content l'un avec le monsieur petit chita sous t-shirt à terre, n'a fait film. Mais oui. N'a pris un don, puis n'a fait film. Donc tu vois, c'est une bonne nouvelle pour toi. Tu n'auras pas de problème de finance. Ok. Blondie, ou après Blondie, la fois-ci, et papi, parce que. Ok. Donc on va dire. Ou après Blondie, pas dit cric. On te dit ça quand elle a dit là. Comme dis-nous que Karel va gagner comme Zami, l'élevine là, faut que les. C'est ça. Parce que c'est un monde qui va gagner Zami. Et c'est seul le vendredi après-midi, il est sous Gazo Caraïbe, là pour une équipe l'autre belle bagaille. Donc, il ne faut pas qu'il ménage quand elle, parce que je file que. Pourquoi on ne peut pas répondre? C'est la seule question qu'on la pose à quelques-uns. Un bureau, ok. C'est que tu n'as pas envie de répondre. Ok. Question auquel tu ne peux pas répondre.
pas de problème. En tout cas, même si Preston va venir en grand nom parce qu'il y a la vie de Yor, hein? Non, mais nous avons un ménage. Qu'on y a, et tout le monde qui est là, et nous pensons que c'est le président de la presse, donc nous prêts pour nous répondre en fait, avec toutes les questions qui tu as supposé poser. Et nous avons commencé avec le monde qui voulait commencer en première. Gabriel, c'est ça? Ah, ok, d'accord. Mon yo gêné? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Madame Blondy, je suis Rodange Raphaël de, Bonsoir. De la Radio Nationale d'Haïti. Un peu plus fort s'il vous plaît. Je suis Rodange Raphaël de la Radio Nationale d'Haïti. J'ai deux questions à vous poser. Comment expliquez-vous ce thème à savoir le couleur de la dignité? Qu'est-ce qui se cache à travers ce sujet? Qu'est-ce qui se cache à travers le titre, Paul Henri? Bon, cette question, je pense que Paul Henri est mieux placé pour. Ok. Les couleurs de la dignité. Peut-être pour les gens qui ont déjà vu le premier, ok, c'est, je pourrais dire d'abord, c'est toute une question de dignité, d'abord. Ok, si on prend Marc, qui est un des personnages principaux du film, vous avez pu comprendre, c'est un homme qui a eu tout un parcours, donc il croit en une chose. Il croit en une chose qui est quoi exactement? L'histoire du film, je ne sais pas si tu... Est-ce que tu as vu le film déjà, le premier? Est-ce que tu as déjà vu le premier? Ok, donc c'est l'histoire de deux amis, ok, deux jeunes qui ont grandi à la campagne, puis ils ont deux idéologies différentes. Comme par exemple, il y en a un qui croit à l'éducation et puis l'autre, malheureusement, qui croit à la débauche. Il croit qu'il n'a pas besoin d'aller à l'école, il n'a pas besoin de travailler ou du moins d'être éduqué, il n'a pas besoin de faire un cheminement éducationnel pour réussir dans la vie parce qu'il croit, écoute, l'argent, ça va tomber du ciel juste comme ça. Donc, fait que... Lui, c'est son point de vue, son ami qui lui a toujours cru en l'instruction. Il se dit, il y a un seul cheminement dans la vie, donc ça, il faut avoir une très bonne formation. Donc, on va voir, cet homme qui est très instruit, malheureusement, va traverser les moments les plus pénibles de sa vie. Donc, il va se trouver dans des situations où, malheureusement, il pourrait faire n'importe quoi pour réussir dans la vie, comme son ami, mais il ne l'a pas fait. Il a gardé sa dignité jusqu'au bout et on a vu son succès. Donc, c'est là que vient le terme « les couleurs de la dignité » pour comprendre la sensibilité, comprendre quand un homme, il veut rester intègre dans sa vie. La deuxième question, c'était quoi encore? Tu veux reprendre ta deuxième question, s'il te plaît? Comment change-t-il de texte psychologique ou moral? Non, c'était plus... c'était comment? C'était plus moral, quoi, genre. C'était pas psychologique du tout. C'est psychologique aussi? Dans quel sens que tu dis que c'est psychologique? C'est dans les moments difficiles que tu passes. Le désespoir aussi. Baïkaël, qui est bon micro, s'il vous plaît. Ok, je voulais expliquer que, en fait, c'est aussi psychologique. Dans les moments difficiles qu'il va traverser, le désespoir, c'est une émotion. Ne pas abandonner, c'est une émotion. Croire que c'est possible, c'est une émotion. Moralité après, à coquin, mais dignité, là, c'est une autre bagaille. Mais émotionnellement parlant, psychologiquement, le bavine fou, c'est parce que il a contrôle de l'émotion. Mais tout ça, c'est psychologique. Est-ce qu'on va commencer une discussion tout de suite? Non. C'est parce que justement, il a demandé est-ce que la trame de l'histoire, c'était plus morale ou psychologique. Donc, quand on parle... Oui, les deux, oui, mais la trame principale du film, c'était pas psychologique. Vite fait, tu dirais exactement. 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 Ok, moi, son débat qu'a fait. Les émotions, genre. Bon débat qu'a fait entre Kael et Paul Henri. Mais en général, tout ce qui est émotionnel et psychologique, c'est... Exact. Bonsoir. Exact. C'est résultat, tout à fait. Voilà. Bon. Kael, please. Bonsoir. Je suis Wisley Vital de Radio Nativité et de Canal Bleu. Premièrement, je vous félicite pour l'initiative.
Ma première question est pour Paul-Henri Attis. Qu'est-ce qui vous a motivé de revenir avec cette idée de cinéma en Haïti, puisque c'est quasiment mort? Nous n'avons pas de salle de ciné, etc. Vous comprenez. Et puis, dans votre démarche, est-ce que vous n'envisagez pas d'intégrer les jeunes, de permettre à des jeunes de sortir, d'émerger, je dirais. Merci. Okay. Je vais répondre d'abord à la toute première question, qui est si, qu'est-ce qui m'a motivé. D'abord, je dois dire, Les couleurs de la dignité, c'est l'un des plus grands classiques, je me permets de le dire, des films haïtiens. Les couleurs de la dignité, pour votre information, c'est le film qui a été le plus vendu dans l'histoire du cinéma haïtien. Je ne veux pas dire que c'est le film le plus populaire, mais je veux dire plutôt que c'est le film le plus vendu. C'est un film qui a été vendu à plus de 300 000 DVD. Oui. Et l'avantage, pourquoi? C'est parce que Les couleurs de la dignité n'avaient pas sorti en salle de cinéma. Donc, fait que c'était sorti directement sur DVD. Et quand les gens ont vu le film, ils l'ont aimé. Donc, fait que souvent, Gamon Gab dit, DVD, ça a marché n'importe 10 fois déjà. C'est ça que fait que me dit, et les chiffres l'ont prouvé aussi, puisque j'ai fait des recherches là-dessus, ça a été le film le plus vendu. Donc, pourquoi aujourd'hui Les couleurs de la dignité, après plus de 15 ans, en dépit de tout ce qu'on vit aujourd'hui? Il n'y a pas longtemps, j'ai présenté mon dernier film, Jusqu'au bout, le 29 février dernier, au Caribée. Donc, fait que c'est pas mort complètement. Nous, les réalisateurs, on continue à produire, on continue à présenter nos films. Mais malheureusement... Quasiment, oui. Il n'y a pas de problème. Quasiment, c'est presque synonyme de complètement. Quasiment, c'est quasiment. Quasiment, c'est quasiment. Quasiment, il y a une petite chance. Il y a une petite chance. C'est pour ça que j'ai dit presque. Non, c'est presque. Ah, oui. Ouais, OK. OK. Donc, fait que nous, on continue à produire. Mais malheureusement, moi en particulier, et souvent, je parle avec beaucoup d'autres amis qui sont réalisateurs de films aussi, on vit le même stress, on vit les mêmes frustrations. Pourquoi tu fais l'effort pour faire une bonne production, de t'assurer que le son soit bon, que l'image soit bonne? Mais malheureusement, quand tu vas présenter ton film dans une salle qui n'est pas adaptée, que j'en ai regardé à terre, filio passé à terre là, c'est comme ça nous présenter le film. Tout, n'importe qui est passé dans le film, peut-être en connexion que tes films faites depuis 2-3 heures, bon technicien peut-être, qui peut-être moins d'expérience qu'on l'autre, du moins, n'importe qui est passé, débrancher le film là. Et puis là, une fois que Mounio vient pour présenter le film, et puis malheureusement, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit le son, soit l'image, n'importe quoi. Ou dis-moi, maintenant on présente nos films sur des LED, soit peut-être qu'il y a quelques petits lumières qui ne fonctionnent. Là, tout de suite, toi, en tant que réalisateur, ça te tue de voir comment que ton produit est exploité. Donc, fait que, oui, c'est difficile, mais toutefois, il y a une chose que je me suis dit. Est-ce qu'on va laisser les choses ainsi? C'est pour cette raison que j'ai utilisé ce film. Comme par exemple, Les couleurs jusqu'au bout, j'aurais pu dire ce que je veux faire avec Les couleurs de la dignité, je peux faire la même chose. Mais toutefois, je me suis dit, Les couleurs de la dignité, c'est le film le plus vendu, c'est l'un des films les plus aimés par le public haïtien. Donc, Les couleurs de la dignité, on va l'utiliser comme prétexte. Tous les fonds que le film va régénérer, on va le diriger directement vers la construction d'une salle de cinéma. C'est la raison principale pourquoi j'ai pris l'initiative de retourner avec ce projet que je sais que les gens aiment tant. Et moi et tous les autres acteurs qui sont avec moi, ils le savent et ils sont pour. Ils disent oui, Les couleurs de la dignité, ça va nous donner ce qu'on souhaite. Comme par exemple, dans les grandes premières, on va pas organiser des projections. On va organiser des soirées de gala. Ça va être des soirées de subvention, ça va être des soirées de levée de fonds pour la construction de ce projet qui est la construction de la salle de cinéma. L'autre question pour les jeunes, comme par exemple, c'est sûr, comme par exemple, vous allez voir dans Les couleurs de la dignité, il y a de nouvelles têtes qui sont dans le film. Il y aura des jeunes aussi. Par exemple, dans tous mes films, il y a toujours quelques nouvelles têtes qui s'émergent. Donc, c'est sûr, dans Les couleurs de la dignité, vous allez le voir aussi. Pourquoi je tenais à ce qu'on ait le même cast pour Les couleurs de la dignité? C'est sûr que vous allez dire, c'est tout à fait compréhensif. Pourquoi? Et c'est le 2, donc les acteurs sont là, ils sont tous beaux, vous les
voyez. Donc, fait que on n'a rien à redire. Donc, fait que l'histoire va continuer. On va avoir un 2, on va avoir un 3. Donc, comme j'ai dit, oui, on va avoir des jeunes, comme par exemple, on va avoir un Jacques Maurice plus jeune. On va avoir une Kaël plus jeune. Non, plus jeune. J'ai pas dit qu'elle n'est pas jeune, j'ai dit plus jeune. Donc, tu comprends? Donc, quand ils étaient dans les 15-16 ans. Donc, fait que vous comprenez. Donc, il y aura toute une nouvelle génération. Je crois aussi que... En fait, je fais le cinéma en dilettante, c'est vrai, ce n'est pas une profession pour moi. Mais je crois qu'il y a une des choses qui nous avait frappé, c'est que quand on sort un film haïtien, le cinéma en Haïti, la salle, demandait 50% des rentrées du film. Et c'était vraiment frustrant que de faire un film et que... ça avait augmenté parce que j'étais tellement pensé à ici, j'avais besoin de passer film que ou te baille salle 60% rentre film nan, et puis ou te baille monde qui fait film yo 40%, tandis que film étranger a cinéma d'acheté complètement. Comment il t'a acheté film français, film européen, film américain yo. Donc moi j'étais toujours pensé à l'époque que yo te besoin cinéma haïtien hein, propre salle yo pour que financer propre tête yo. Pour que vous ayez propre exposure, pour que vous ne soyez pas limité par l'argent, par une bande de bagailles. Vous avez déjà une dette pour vous prendre 60% dans ce sac à rentrer. Donc, c'est mourir financièrement. Donc, c'était l'une des idées aussi que, déjà, je me disais qu'on a dit Jean-Gardis. Je me disais Jean-Gardis, c'est 2-3 blocs. Oui, on cherchait 2-3 personnes qui rêvaient en même temps avec nous. Faire monter 2-3 blocs. Et puis, aussi, au fur et à mesure, grâce au cochon, pour financer le cochon, on a déjà mis des moules sous bloc. Que les jouets d'être dans un coussin, après ça peut-être dans une chaise, et pour vous raconter, à garder côté de sortie. Bah ouais. En parlant de nouvelles dettes, ok? En parlant de nouvelles dettes, donc une nouvelle dette qui est sous la toit, et il a pas de vous présenter avant de passer avec la troisième question. Merci, bonjour. Merci, Jean-Louis. Bonsoir à tous. Moi, c'est Jean-Claude Boujoli. Étant donné que nous m'avons présenté, c'est moi qui réalise le film Brûler son son. Peut-être que quelqu'un qui par contre, c'est moi. Donc, Jean-Claude Boujoli. Ou t'es plus jeune, même non, c'est peut-être que parce que nous avons été moins calés, mais nous toujours été jeune. Ok, ou t'es tête calée, ou vingt tête calée. Voilà, c'est bien quand même. Et n'a pas l'autre question. Hein? Ouais, merci. Et bonsoir tout le monde. Non, pas c'est Pierre Kevin, moi c'est l'acteur pour Presse la Caille Magazine. En fait, moi apprécie, dans le pose une question qui allait dans la même ligne avec Vital, sur Vital Canal Bleu, c'est que, bon bah, outil là qui est intéressant, c'est que outil film nous utilisons comme prétexte. Même question, on a surtout chita sur est-ce que son prétexte que nous prenons vraiment pour nous faire un appel à conscience pour nous ouvrir ça le cinéma ou? C'est le premier volet question là. Et deuxième en temps, on connaît. Nous souvent, artistes souvent dit à prendre des décisions collectives pour réaliser des baguettes qu'on défait pour l'hôpital là, qui n'a jamais été fait. Je dis à m'écrire sur Dia que Paul Henry Artiste dit que film ça, font yo, nous allons prendre pour nous réaliser une salle de cinéma dans le pays. Maintenant, je connais plus de détails sur ça parce que moi-même, vraiment, t'as aimé ça, il me vraiment pour le sérieux. Et en fait, pour me terminer dans mon intervention maintenant, je connais qui réalisateur qui travaille sur le film ça. Parce que je souvent critiqué le cinéma ici en termes de qualité d'image, bah, il y a trop de comiques. Je connais ou bah, plus de détails sur la production film ça en soi. Merci beaucoup. Ok. Les couleurs de la dignité, vite fait. D'abord, c'est une frontière retournée sur l'histoire du film ça. C'est un film qui était produit par Communication Plus. Époque, ça a travaillé Communication Plus. Des producteurs délégués sous lit et des gains émergents qui étaient producteurs exécutifs de ce projet ça. Nous connaissons que Communication Plus pas produit film encore et c'est pour raison ça fait que moi-même j'ai pris une initiative avec toute l'équipe que j'ai ensemble avec là pour que nous capables de produire les vraies couleurs de la dignité. En effet, nous très soucieux de côté qualité production ça. Raison, si nous avons regardé peut-être un film ça qui était joué depuis plus de 15 ans, mais peut-être bah, nous disons des barrages que peut-être nous ne connaissons pas. Et souvent, nous avons dit ça, il n'y a pas jamais qu'on les vrais chiffres, ou pas jamais combien de corps bon film haïtien fait, combien de corps les rentrés, aucune information. Évidemment, les journalistes n'ont pas cherché tout. Donc, fait que.
Mais si nous cherchons, nous apprenons par exemple. De, Madame Kounia, Madame Kounia m'a répondu. Ok, vite fait, Madame, dis-nous combien de cobs. Combien de cobs nous t'es fait les cours de la dignité. Dis-le, 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 on veut savoir. Non, mais c'était vraiment une belle expérience. Je ne vais pas oublier ça. Je vais peut-être dire une bagarre, des belles anecdotes là. Pas de même maquillage, rien du tout. Aussi, quoi, toujours, chaque fois que tu es là, dans ton toilette, tu es là, avec visage. Avant ça, tu as un vieux lit, et puis tu es frais comme quoi la caisse. Exactement. Fait, le budget qu'on avait au départ pour l'école de la dignité était 8 000 $. 8 000 $ américains. Mm-hmm. Non. Ok. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. C'était 8 000 $ américains. Puis après, regretté de mémoire, Valmé Jean dit non, c'est impossible, nous ne pouvons pas obtenir un film à comme ça. Et puis là, nous tirons pied. Moi, je me tombe dans le bouge, me dis non, c'est impossible, nerf déjà avec tous les coups qu'on a, c'est impossible, on ne peut pas tourner le film avec ce budget-là. Il a augmenté, le doublé, il mettait là 16 000. Donc, fait en total, les couleurs de la dignité, le film que des millions de gens ont aimé, il était shooté avec 16 000 $. Puis après, nous avons estimé qu'il y a une correction pour nous faire. Et puis on a trouvé. Avant de commencer, pour nous, on a 16 000 $ américains, moi, même pas touché 10 000. Oh! Mais pour l'heure, non! Mais j'ai des questions aussi! 16 000 $? Maintenant. Non, mais non. Sincèrement, moi, je vais juste exécuter. Et ce sont des bagages ou pas de connaître. Non, pas de dire que tu as exécuté. Je ne dis pas que pas de connaître. Les par exemple, petit jupe, France Payer, etc. pour te mettre. Donc, c'est fait pour nous défaire. Petit jupe. Et France Payer, là, tu uniforme. Petit uniforme, non. So, ça a coûté 16 000 $? Non, le pas coûté, je te donne un exemple. Mais non. De coup. Non. Une grande partie était consacrée justement à la production filmée, tu allais directement à Valméjean. Avant les gens comme nous fait se dire qu'ils vont écouter moi. Donc fait les couleurs de la dignité, donc c'était pour leur équiper ça pour pas faire produits. Non, moi même maintenant pour les vrais couleurs de la dignité, vous allez voir la différence. Le profit pas les c'est ce qu'on le a pas. Budget, mm-hmm. Oui. Je m'a dit budget disponible. Non? Oui. Budget pour le réaliser. OK. Pour le fait jeudi hein. Mm-hmm. Faut nous gagner parce que madame coûte cher. Faut nous gagner. Madame coûte cher, Kael coûte cher. Tout ce monsieur ça on m'a écrit le point là. Donc Myriam qui est là. Non pas même on y a encore pas le fait de mettre comme dans toilette laver figure, tu comprends? Maintenant je n'ai pas fini après ça va déranger plutôt mettre là-dedans. J'ai réalisé que nos besoins c'est 225 000. $225 000. Bien sûr 25 000 pour moi, bien sûr. OK. Pour le réaliser. À la prière, à la droite de les couleurs d'Azité. Maintenant nous on pose une question, qui est-ce qui va réaliser film ça? Moi en tant que réalisateur, malheureusement et heureusement aussi, puisque j'ai des collaborateurs dont j'ai dans les exonés qui sont extrêmement talentueux. Donc, fait que moi, me libérer tâche ça justement à d'autres collaborateurs. Tant que par exemple, nous gagnons ensemble avec nous ce plateau-là, qui c'est Jean-Claude Boujoli. Boujoli, il faut que tu puisses. Est-ce que je peux continuer? Non, mais pourquoi? Oui, Kael. Okay. Donc, fait que le film. Je nous dis, hein, donc, il y a deux réalisateurs qui ont shooté. D'abord, puisque le film l'a shooté dans deux pays, on partit à shooter en Haïti et puis on l'autre partie à shooter aux États-Unis. Parce que l'histoire a déroulé dans deux places différentes. Donc, fait que pour question logistique, pour que le gars coûte moins cher, tout, parce que le monsieur coûte cher, s'il fait le déplacer aux États-Unis, ça va coûter un tout petit peu plus cher. Monsieur Boujoli. Monsieur Boujoli coûte plus cher, 10% du film va être tourné en Haïti. Pendant qu'il n'y a pas qu'à répondre à la question de l'argent, on a des questions aussi, nous, les acteurs. Je peux terminer avec la question. Ok, d'accord. Moi, j'ai une autre question aussi. Combien le film avait rapporté? Je vais vous mettre en bas. On dit que le film avait coûté, mais combien il avait rapporté? 300 000 CD ont été vendus. Maintenant, je voudrais comprendre. Je peux continuer, Kael? Quand est-ce que ça va aller, Paul Henry? On a poché de terre. Mais Wade, ouais, il n'est pas là. Il devait être là. Et bien sûr. Il devait être là parce que normalement le film, donc ce qu'on a entendu, c'est les productions Atis et Edner Jean. Mais bien sûr. Non. Ce réalisateur. Donc fait que
une partie. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Vous levez à faire la journée. Oui, je suspecte ça. Donc, fait, la partie d'Haïti, donc ça va être M. Bourjoli, Jean-Claude Bourjoli, qui va le réaliser. Et la partie qui va être tournée aux États-Unis, principalement à Miami, ça va être réalisée par notre ami, notre collaborateur, Robinson Louvens, que peut-être vous connaissez déjà dans la salle, qui a réalisé Married Men et dans d'autres films haïtiens. Il a présentement, il travaille aussi sur, sur une série qui c'est Loyalty. Excusez-moi, je devais vous donner une précision. Un réalisateur, pas un producteur. Donc, ce n'est pas un réalisateur qui vient avec comme. D'accord? Réalisateur, c'est juste un technicien qui vient. Sans précision. Donc, côté technique, pour répondre, nous avons d'excellents techniciens. Peut-être nous sommes capables. J'ai une question. Est-ce que nous avons Smitty, par exemple? Est-ce que nous avons Salan Smitty? Je suis dans la presse aussi. J'ai une question. Smitty, hein? Je représente Blondie Ferdinand et moi. Non. Tout le monde connaît Smitty net. Tout le monde connaît Smitty. Je représente l'émission SOS Solitude. Bon, bon, je vais répondre aux questions. Ça. Concernant salle cinéma, c'est ces plans ça nous gagne un moment là et c'est une initiative côté que nous toutes nous voulons faire partie de lui. Nous vraiment sérieuses, nous pas gagne un plan comme si pour nous venir faire un film et puis nous dit nous pour ouvrir en salle cinéma et puis pour nous pas faire. Mais n'attend réponse publique là. Oui, les vraies couleurs de la dignité, c'est un film que n'a fait juste pour capable pour nous capable gagne possibilité, opportunité, fond pour nous capable ouvrir en salle cinéma. Mais si ou même public là, ou même journaliste ou pas aider nous pour que nous capable faire rêve ça vignon réalité, li capable juste c'est juste son autre plan que on paquet de jeunes te gagné, on paquet acteur te gagné qui pas jamais réalisé. Ou comprenez ça Abdoula, mais sous mandé nous kounya là, c'est but nous ça, c'est plan nous ça, c'est ça fait nous chita là, c'est ça qui fait que ou même nous chita là, c'est ça qui fait que n'a parlé avec ou là aujourd'hui là. Les vraies couleurs de la dignité. Plan, buyant, vision, c'est pour tout fond qui rentre là-dedans pour nous t'ajouter, pour nous investir, pour nous ouvrir en salle cinéma. Pour jeunes qui n'ont pas de possibilité, si leur offre un travail sur un projet, pour ouvrir en salle cinéma, pour passer, pour être capable de gagner possibilité, ça, opportunité, ça, qu'on y a. Oui. Merci Blondie. Je, attends, rapidement, je voudrais rajouter une chose. Ce n'est pas seulement en Haïti qu'il n'y a pas de salle de cinéma. J'étais en Côte d'Ivoire, en Afrique, il n'y avait pas une seule salle de cinéma. Voilà monsieur Edner Jean, il est là monsieur, applaudissez s'il vous plaît. Edner, y a, tu nous dois mettre l'argent là hein. Mais, tu nous dois. Monsieur Edner Jean, s'il vous plaît, venez donc. Nous avons chaises vides qui sont disponibles. Alors maintenant, j'étais alors l'aime t'a l'occasion en Côte d'Ivoire. Moi, ouais, pas une salle de cinéma, ça frappe imagination. Mais après ça va au Cameroun et moi quand pile dans pays d'Afrique, pas de salle de cinéma. Et pourtant, le cinéma africain a vendu sous DVD à 300 000 à l'heure. Donc, c'est nous voulons une salle de cinéma, mais pas oublier que la technologie a pas avancé. Peut-être que nous avons parlé de nos bagages qui vont tomber même aux États-Unis obsolètes. Donc, nous voulons faire une salle, d'accord. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de l'autre moyen tout pour aller plus loin et pour utiliser cette technologie à bon sens? Monsieur Edner Jean qui me doit de l'argent et qui doit aussi à Blondie, bien on sûr. Va te céder la parole, nous avons une grosse question. Bien sûr. Tu avais investi 16 000 dollars, parce que moi les chiffres je connais, je vous assure, je n'ai pas besoin de machine. Et je fais des additions rapidement, je vous assure. Tu avais investi 16 000 dollars dans la production, à combien coûte un DVD s'il te plaît? 300 000 DVD vendus, c'est à 15 dollars. Non. Descends pour rien, voilà. C'est à 10 dollars. Mais 300 000 DVD vendus à 10 dollars, ça fait 3 millions de dollars américains. Mon Dieu! Je connais. Alors maintenant, nous allons demander dans tout cet argent qui a été réalisé, pourquoi Blondie et moi, nous n'avons pas d'argent pour acheter une Rolls? Bien sûr, bien sûr. C'est oui, monsieur Edner Jean. Monsieur Jean, la Rolls la plus minuscule, tu sais, là. Passez micro en bas, monsieur Edner Jean, quand il nous parlait trop. Non, mais avant. Il faut le connaître, l'argent. Avant, nous passer micro en bas, monsieur Jean. Je pense qu'on devrait le mettre au parfum là. Là, on est en train de le sacrifier pour rien. Il n'est même pas au courant de quoi que ce soit. J'en ai l'habitude, j'ai pas de problème. C'est ce que j'allais dire aussi. Juste avant d'arriver. Grisonnant, oui, c'est la vie. C'est la vie, oui. Ok. On dit que je suis comme le bon vin, c'est plus je vieillis, plus je bois. Oui. Bon, voilà, merci. On peut toujours essayer. Est-ce que tu veux un petit résumé? J'ai pris la balle, et je sais pas de quoi on parlait. Ok, de quoi on parlait justement, on parlait du budget du premier film, Les couleurs de la dignité.
OK? J'ai dit que les couleurs de la dignité, on l'avait fait avec 16 000 $. OK? Kael et Blondie ont dit, oh, nous pas de compte de l'argent, ça a dit tout, non? Et puis, là, me dit que son l'argent que tu allais pratiquement presque à Val-Méjean, époque-là, qui lui-même, qui était... Non, c'est petit tirage, nous toutes. Sauf moi-même, qui l'aime arriver Jacques Mel, qui t'a acheté Pépé, tirage rouge, ben, jean rouge, qui est sous moi. Et Val-Mémoire. Yes. Donc, fait que pratiquement tout... Tout budget film dans d'aller à Val-Méjean puisque c'est lui-même qui t'a réalisé technique et tout. Donc fait que budget ça c'est bah quoi boussico des comptes quoi que ce soit. Évidemment j'aime te dire moi-même des directeurs exécutifs ils ont même l'argent et puis exécutif bah qu'on a rien. Comment nous fait pas de connaître toute bagaille ça yo sous tes gars l'argent dans mon Kael même micro. Non mais où exécuter ou pas exécuter nous. Oh. Oui, ou t'es gagné l'argent à exécuter. Mais pour qui ça ne pas nous pas toucher 16 000 $, 16 000 $, mes amis. Pour 3 millions de bon, on ne peut pas comprendre ça que monsieur vient parler chez vous. Voilà, c'est bon pour lui. Les chiffres, je connais. Mais il y a deux femmes qui a crack. A crack, quelle horreur, c'est un bien sûr. Non. Depuis qu'on est arrivé là, vous ne faites que parler d'argent. Non. Qu'est-ce que cette horreur? Nous sommes des femmes de grande classe. Bien sûr. Ce que nous pouvons acheter avec l'argent. Avec de l'argent. Et nous avons financé le film. Mais nous ne sommes pas des accrètes. Oh. Non, il faudra nous présenter des excuses. Le terme accrète est très mal employé. Et très mal présenté. Jusqu'à terre, tes excuses. Oui. Excusez-moi, mais on ne parle plus d'argent. Allons parler autour de Non, excuse-toi. Quelle idée? Je m'excuse, ma chère. Oui, je t'en prie. D'accord, pas de quoi. Dormi, hein, soyez habitués. C'est moi-même, c'est bien. Ok. Tu m'as dit d'après l'eau dans le téléphone. Et merde, je n'ai pas compris. Quelle horreur. Ok. Ou pas Edna filer pour qu'on ma question, ou pas plutôt pas la faire plutôt. Edna est déjà gon tête fait mal, la garde Edna vient tout donner gouge, oui. Et puis Edna, tu veux que Edna vieille en pile. Edna est complètement grise. Tu veux que ça m'a vieille en toi. Nous fait presque à Breton. C'est la question qui se règle, non? Non, mais jusqu'à... La question qui ne passe pas savoir où était l'argent. Mon nom est trop long. Et je parle de M. Sam dit MC en bas à la hauteur du doux. Je parle de monsieur, je skip le journaliste avant, je parle de lui parce qu'il est très à la hauteur. Je parle de la question de besoin qui fait nos bâtiments. Ok, monsieur le journaliste. C'est rigolo. Je suis désolé, vous ne pouvez pas m'intimider. D'accord. Exactement ce que Diamel est en train de faire là maintenant. Il est en train de nous intimider. Nous saluons tous les panélistes et félicitations pour l'initiative ça. Et le fait que nous gagnons Kael, bon côté nous, il va sans dire que, en termes de personnalité, de personne morale et physique à la fois, c'est déjà une énergie en plus pour capable non seulement gagner l'argent, mais pour aller de l'avant. Monsieur, alors, question d'arrêt poser Harris, nous aider plus souvent. Est-ce que le pata bon, l'initiative noble ça, n'a pas entreprendre non? Nous pata presque la comparaison n'est pas raison, dit-on, mais nous pata utiliser presque à cinéaste nigérien yo qui utilisait décor provinciaux malgré nous connaît situation pour que nous-mêmes nous mettions en valeur et soit production nationale là ou bien pays pour nous vendre plus bien. Merci beaucoup. Ricardo, ça a été un plaisir. Et nous bien content pour suggestion parce que monsieur va vous poser question.